Maintenant, tu... c'est de la paille. Attendez, on va aller... on va commencer par les lapins, parce qu'on verra mieux. Moi, je suis de la paille. Alors, c'est pas de la paille, regardez. Ah, voilà, effectivement, le foin. Voilà. Quoi, la paille. Hein, le foin, on a dit qu'on prenait d'herbe qu'on faisait sécher. D'accord. Et la paille, alors. C'est que je l'ai prise. Je l'ai acheté. J'ai acheté les bottes. Mais avant, elle vient d'où? Comment on fait pour faire de la paille comme ça? On prend du maïs. Ah, peut-être moins gros le maïs. Plus gros le maïs, hein. Mais qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre si c'est pas... On peut faire de la paille de maïs, effectivement. On peut prendre du... Est-ce que c'est du blé? Oui. Hein, donc des... Comment ça s'appelle là où il y a les graines? Faire la paille. La paille, elle sert à quoi? Pourquoi on en met dans les cages? Ou dans les enclos? Pour réchauffer. Alors ça va servir à avoir un peu chaud? Pour manger? Non, pour manger, je vais leur donner du foin, on l'a dit. La paille, ils la... Enfin, ils ont... Hein? Un nid? Presque un nid. C'est pas des oiseaux. Leur terrier. Non, ben, ils creusent pas, là, regarde, c'est des cages. Pour faire la... du foin. Alors on appelle ça la litière. D'accord? Le lit. Pour faire leur lit. Hein? Puisque bon, si ils dormaient directement sur la cage... Regardez. On va mettre ça devant. C'est parti, mon petit. Vous m'écoutez? Mais surtout, il y a un truc. Il faut toujours enlever les ficelles. C'est pourquoi? Ouais, tant pis, il faut l'avaler. Pourquoi il faut enlever les ficelles? Ah oui, oui, il peut l'avaler. Il peut l'avaler. Qu'est-ce qu'il peut y arriver encore? Après, s'il l'avale, il peut l'avaler. Il peut se casser. Oui, bien sûr, il peut s'étrangler, mais il l'avale toujours. Qu'est-ce qu'il peut faire encore? Il peut mourir. Donc, toujours, il faut toujours enlever les ficelles. Ok? Ouais, allez. Les ficelles, ne recule pas davantage, je vais mettre. Non, en fait, le haut, tu derrière. Voilà. Non, on les lance pas non plus. On les lance pas, tu vois qu'on se lance. Qu'est-ce qu'on sa nourriture à midi? Ouais. Non? Ouais. Crois pas, non? Bah, midi, je vous lancerai les plateaux alors. Il faut leur donner tout doucement. Ouais, mais on va mettre plein la figure. Ah ouais. Faut toujours faire attention à ça. Ah, bah vous avez mis du foin partout. Oh regarde les feux qui sont dans la tête. Et bah c'est moi qui l'ai mis. Et en plus vous avez fait une mise en pli avec du foin.
a deux petits chevreaux qui viennent de naître. Ce matin, ils étaient pas. Ils sont nés il y a. Allez, on va dire une minute. Regardez, ils sont encore tout mouillés, la maman va aller les chier. Alors, faites-leur pas trop peur, voilà. Alors, si vous avez vu, vous reculez pour laisser voir les enfants. C'est ce qu'on appelle le placenta. Hein, c'est ce qui recouvre le bébé dans le ventre. Chut, allez, on tourne maintenant. Allez. Et c'est ce qui vient de faire son bébé, ce qui. Ou en délaisser un complètement. Ouais. Un des petits chevreaux, la salle de bain, tous les jours au biberon, comme un gamin, trois biberons par jour, l'horreur. Ouais, et si leur Christophe, il avait fait ça avec le. Un marin. Il a pas de. Je préfère avoir un petit. Comme les veaux, non ? Les pattes de vin, comme les chevaux. Balé, prends pas la pause. Hein. C'est pas un photographe. Là. Oh, le petit qui était avec moi là. Qui empêche on va finir là-bas, il nous reste quelques volailles. Ils sont en train de se battre. Un bébé, quand il boit le lait de sa maman, si après il vomit, quand il va vomir, je ne sais pas si vous avez des petits frères ou des petites soeurs qui ont déjà vomi, il y en a quand même. Dans les usines, ils arrivent à extraire tout ça. C'est ce qu'on appelle de la présure. Marais, c'est la marque, t'as bien vu, mais c'est la marque. C'est de la présure. Alors, je vais en mettre un peu dans un ramequin pour que vous voyez à quoi ça ressemble, que vous le sentiez. Et à la rigueur, alors le mot à retenir là, c'est lequel ? Les enfants, le mot qu'il faut retenir, c'est ? C'est salé. Bon, très bien. C'est la présure. Et elle vient d'où cette présure ? Les enfants. Les bébés, notamment des petits mots, il se passait quelque chose qui transformait le lait en fromage. On a décidé de garder le fromage et de récupérer cette masse. Oui. Non, oui, peut-être. Au néolithique, on a commencé à élever les vaches. Enfin, l'ancêtre des vaches. Hein. Les vaches qu'on connaît maintenant. Le lait va se transformer en fromage, d'accord ? Oui. On dit que ça s'appelle comment ? On dit que le lait, il... caille. Très bien, et bien tu peux venir. Voilà, le lait, il caille. Donc il va... Et ça s'appelle comment ça ? Présure. Très bien. Présure ou présure ? Très. Présure. Bon, ça devrait suffire, vas-y. Voilà. Et maintenant, faut faire quoi, ton ami ? Remuer ! Remuer ! Quoi ? J'ai des choses. Allez, cuisine bien. De la présure partout dans le lait. Hein. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Et maintenant, il va falloir attendre. Donc, je vais prendre ma casserole de lait. Très bien. Je vais la mettre derrière. Après, le fromage n'est pas fini. Voilà, c'est la recette de base de tous les fromages. Même le camembert, tous les fromages au départ sont pour maman. Pas grave. Petit pot, gros pot. Hein. C'est parti!
Montre, regarde. Ouais, je suis fou. T'as vu, Romain, je t'ai doublé, hein. Alors, Charles, c'est quoi? C'est quoi? Ah, ce que tu as? Quatrième. C'est du beurre? Et comment tu as fait pour avoir du beurre? En fait, j'ai bien secoué. Qu'est-ce que tu as secoué? Bah, le pot. Qu'est-ce qu'il y avait dans le pot? Bah, du beurre. Ah non, il n'y avait pas le beurre. Bah, il y avait de la crème. De la crème fraîche, oui, tu as secoué pendant 10 minutes au moins. Qui s'est transformé en beurre. Et moi, bah, félicitations, puisque tu es le numéro 1. Deuxième. Et le deuxième, c'est toi? Ouais. Bon, montre-moi ton beurre pour voir. Où il est ton beurre? Alors, montre-nous. Ah, félicitations, c'est donc toi le numéro 2? Oui. C'est toi le numéro 2, félicitations. D'accord, il ressemble à du lait. C'est ce qu'on appelle le babeurre. D'accord, vous reprenez? Le babeurre. Alors dans les fermes, à quoi servait le babeurre? Eh bien, pour faire de... du beurre. Ah, rien. Du beurre. Tu peux dire comment c'est? Alors dans les fermes très très pauvres, effectivement, on le gardait puis ça remplaçait un peu le lait. Mais c'est pas tellement nourrissant. Sinon, on s'en servait pour mettre dans la pâtée des cochons. Ou pour laver les cochons dans les... Très bien, ce qui va tomber là. Je le penche. Une petite boule de beurre. Et voilà comment on arrive à partir de la crème à faire le beurre. Qu'est-ce que je vais en faire à votre avis? Je vais la nature, je pourrais pas vous expliquer pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Alors pourquoi je fais ça? Ben, je vous ai dit tout à l'heure, je suis en train de séparer. Alors... Et dans le chiffon, il reste le... beurre. Voilà, que je sors. Alors... Mais, vous allez me suivre, je suis pas parti encore. On va faire une dernière étape. Le beurre, une fois qu'il est fait, qu'il est passé comme ça, il faut le laver. Tout le beurre qui peut rester, toute l'humidité. Alors là, on s'écarte un peu. Oh. Le beurre des passages, je tape le beurre. Aïe. Ah bon? Oh. Alors, si vous avez l'occasion de visiter des vieilles maisons dans la région, vous pouvez écouter. Ou des vieux musées, vous trouverez en exposition ce qu'on appelle des moules à beurre. Qui sont des moules à beurre en bois, très très jolis, avec des dessins, des motifs. Dans lequel le fermier. Alors, récipient où on met. Alors, je vous pose là où on met.
Hein? Un monsieur curieux, il veut te sentir. Qu'est-ce qu'il va faire là, il a ses dents? Casse-lui. Doucement, mais il prend pas mal. Oh, c'est un gros madère. Une vache. Ouais, c'est une vache. Non, les... Mais c'est quoi le nom de la race? Il y a quoi Vous vous rappelez? On vous l'a dit, hein, je vous l'ai dit plusieurs fois. Il y a tout ça, il n'y en a pas un autre. Il y a petite chèvre. Mais si, il y en a une autre. Ah, il y en a comme là-bas qui sont un petit peu plus grands qu'on peut voir. Un zébu. Comme là. C'est un zébu. Avec attention, il y a un crachet. Tu vois. Alors. D'ailleurs. Mais non, regarde. Pas maintenant, pas vu. Thank you.
quoi, et moi, je suis lent. Pour être sûr d'avoir oublié aucun lapin. Tiens, le... Là-haut, 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 là-haut. Alors, il y a du foin. Regardez, ça permet de voir les oublis. Par exemple, là, je vois un lapin. Tiens, lui, là. Celui-là, il a ses plats, je l'ai fait. Mais lui, il est crème. Et lui, il en a... Oh, regardez, pourquoi faut tout vérifier? Parce que quand on est nombreux comme ça, qu'on travaille un peu dans tous les sens, regardez, celui-là, pour l'instant, il n'a rien eu. Il n'a pas de foin, pas de graines. Genre, on a eu. Des champignons, non, c'est pas quelque chose comme ça. C'est ça le champignon, la levure, de toute façon. Hein? La levure est un champignon, là. Vous savez ce que c'est?
Donc là, je ne sais pas, je pense bien que je peux avoir à peu près 500 grammes de... Et quand elle est dans l'eau, la levure, qu'est-ce qui se passe? Elle s'écrase. Elle va... Alors, je vais la diluer dedans. Non, là, elle va commencer petit à petit à se réveiller, on va dire, hein, pour schématiser. Elle ne va pas se dissoudre, elle va se réveiller, c'est-à-dire que... Je ne sais pas si on ne voit pas bien, parce que c'est vraiment minier. Il va y avoir des gaz qui vont sortir, c'est-à-dire que si on laissait longtemps qu'on observait avec elle. Alors... Ah, un petit peu. Avec toute cette eau qui coule un peu partout là qu'on récupère, on va mettre un peu d'eau, voilà, de faire une pâte. Donc il ne faut pas mettre trop d'eau. On en met ? Oui. Si on met trop d'eau, ça va être trop liquide. Il tourne et après tu enlèves les poils. Quoi, faut pas que tu aies trop de cœur. Ah, il faut peigner. Ouais. Et bah là c'est pareil. Là, on les peigne en fait. Tu vois? Tiens, tu continues? Avec les prières. Voilà, en circulaire, c'est bien ça. Quand tu te mets là, tu vois, quand tu veux passer derrière, tu la suis avec le doigt, avec la main comme ça. Tu vois? Tu mets ta main bien. Elodie, tu viens? Elodie! Elodie! Venez voir. Du lait en poudre. Hein, on va enlever l'eau. Ça, du lait en poudre. Les yaourts, j'ai dit. Du yaourt. Les yaourts, il y en a qui vont faire des flancs. Ouais, ils vont utiliser le lait pour aller le revendre dans les magasins. Et puis ils vont le mettre dans des briques ou dans des bouteilles pour conserver. Ils vont le traiter. Ça, c'est le travail de la laiterie. À la ferme, on élève des vaches et on fait produire le lait pour nourrir son petit veau. Alors on enlèvera le petit veau, on le nourrit au biberon et le lait, on le récupère pour le vendre. Donc ça, c'est l'activité principale. Bien entendu, on va voir, ils font d'autres choses. Ils élèvent aussi des petits veaux pour les vendre, pour les manger. Ouais, c'est bon. Je crois que ça existe en vérité. On va se regrouper un petit peu, alors on a regardé tout. Pas sur la liste, ça veut dire qu'elles sont perdues quelque part. Savoir quelle race c'est. C'est la... Non, non, pas pour les... Oh, j'ai vu. Ils ont toujours le truc là qui s'emballe. Dans toutes les vaches. Il leur manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il leur manque? Alors ça, c'est leur race, elles ont des taches marron, mais c'est pas normal. Ah, oui. Parce qu'ils n'ont pas le numéro. Non, ils n'ont pas de boucle d'oreille. Non plus, alors qu'est-ce qu'il y a d'anormal là? Et aussi, parce que au-dessus de leurs cheveux, il y a des. Au-dessus de leur, il y a des cheveux. Oui, elles ont leurs petits cheveux, mais ça, c'est toutes les vaches. Il y a des petites bosses, il y a des petites bosses. Oui, mais ça, c'est toutes les vaches aussi. Alors qui va trouver? Oui, quoi? Ça, c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a là, Noémie? Des boules. Des grosses boules? Ça, c'est normal, c'est ce qu'on appelle le jabot. Ça, c'est rose. Bah alors. Non, ça c'est normal, c'est le jabot. Alors, on va vous aider, voilà, c'est quelque chose qui manque. Ah, il manque quelque chose. Qu'est-ce qui leur manque? Rappelez-vous les vaches que vous avez vues à la ferme du Mont-Joyeux. Hein? Et alors celles-là? Elles n'en ont pas. Ah, elles n'ont pas de cornes, nos vaches. Elles n'ont pas de cornes. Eh ben alors, bizarre, hein. Et les autres, elles en ont. Ah, celle-là, elle en a un petit peu, oui. Ah, ah.
Comment ça se fait? C'est une race sans cornes? Pourquoi elles n'ont plus de cornes? Ah, tu crois que c'est parce qu'elles n'ont pas poussé? On les a coupées. Oui, exactement. Voilà. Ah. On les a coupées et on les a empêchées de pousser. C'est-à-dire qu'on les coupe très très jeunes et on les brûle. Comme ça, elles ne pousseront pas plus qu'en lavage grandira. Pourquoi on leur coupe les cornes? Pour pas que ça les gêne. Pour pas qu'elles défoncent. Ah non, tu vois pas ce que tu... Longue. Oui, bah oui, c'est pour pas qu'elle soit longue, mais pourquoi? Pour pas qu'ils défoncent les... Non, on l'a déjà dit ça. Alors la bonne réponse, elle est là. Pourquoi? Ils les coupent pour pas qu'ils se rentrent dedans avec les cornes. Voilà, pour pas qu'elles se blessent avec les cornes. Ici, on est dans ce qu'on appelle une stabulation. Et ben non. Quand elles sont propres, bon, en hiver, on les... Allez, on va rentrer. Elles vont arriver, vous allez les voir arriver. Ici, vous avez une petite mangeoire. Quelqu'un, vous leur mettez de l'aliment pour qu'elles soient contentes d'être là, puis ça leur permet d'avoir les vitamines, les médicaments, etc. Les installer. Et après, vous allez les voir installer. Ce qu'on appelle, c'est des trillons. Tu vois rien du tout. Alors, bon, il n'y a pas de sentiment. Oui. Si j'ai des filles, si j'ai des gâtinettes.